Bah, je fais ce que je peux, je vais voir pour savoir ce qui se passe, et je vais surtout voir s'il n'y a pas moyen, parce que je pense que Kevin, malheureusement, voilà quoi, mais s'il n'y a pas moyen de fermer des portes anti-feu ou des portes coupe-feu ou des espèces Alors, de très très grosses portes qui. pas dans ce... Enfin, il y en a, mais c'est des portes à taille humaine. Du coup, c'est pas des grosses portes, d'accord? D'accord. Et c'est à serrure normale, enfin, à poignée normale. Bon. Mais vous avez donc... vous entendez Kevin qui, en fait, crie, mais ça résonne, vu que c'est des tunnels. Ça résonne jusqu'au moment où vous entendez un espèce de craquement et plus un bruit. Ah non, c'est ma faute. J'ai oublié de le prévenir que t'étais attiré par le bruit. C'est ma faute. Kevin! Je tombe par terre, moi, quand je vois la truc passer. Je tombe sans savoir trop quoi faire. Et Kevin, mon pote, ça va? Je Pas de réponse. je le prends, il est mort! Mais non, non, je crois pas. Il n'y a pas de réponse. Le seul bruit que tu entends, c'est bah, les pleurnichements de tout le monde. Et toi qui fais Kevin, eh oh moi mon Je pote. continue de l'appeler 5 bonnes minutes, vraiment. Moi, je suis alerte. C'est-à-dire vraiment que je viens de voir ce que je viens de voir. Je tiens ma matraque avec mes deux mains. Et quand même, je tiens prêt mon 9 mm. Parce que je me dis, bon, vu la vitesse de ce truc, à mon avis, ça sert à rien que j'essaye de lui tirer dessus. Il va falloir que je l'embroche ou que je fasse quelque chose comme ça. Vous vous regroupez tous, apeurés de ce qui vient de se passer. Vraiment, il y a une traînée de sang. Vous pouvez littéralement la suivre tellement il y en a. Ce qu'on ne fera pas. Et vous entendez au loin quelque chose qui tape. C'est un sol en béton qui tape contre le sol en béton de façon un peu répétée. Et vous entendez un cri aigu, mais très aigu. Et Teddy, tu reconnais ce cri parce que c'est la même chose que tu as entendu quand tu as perdu ton œil. Vous êtes dans ce tunnel. Et vous n'avez pas de sortie à moins de 2 km ou 3. Vous ne savez pas trop parce que les plans ne sont pas très précis. Mais vous êtes dans ce dédale tout seul. Ce bruit, ça me dit quelque chose. Moi aussi. J'ai entendu parler, c'est les dinosaures là qui tapent contre les surfaces. Et ça, ils s'en servent d'écho pour localiser les proies. Ah, ils s'en servent pas que pour taper sur les surfaces. J'essaie de localiser le bruit, s'il vient devant, derrière, à Tu gauche, essaies à de droite. localiser ce bruit. Tu entends qu'il est plus fort vers la branche gauche du tunnel, mais vu que ça résonne beaucoup, tu n'en es pas sûr. Ça, c'est peut-être ce qui a chopé Kevin. Bon. Pour le Dans tous moment. les cas, on n'a qu'à partir dans l'opposé. Ouais. L'opposé, c'est de là d'où vous venez. Et c'était une ligne droite. Non, on part à droite, sinon. Vous pouvez partir à droite ou tout Ça droit. a l'air Je propose pire. de ne pas suivre les traces de sang. Je suppose qu'on va aller tout droit. Oui, j'avoue que je Vers le champ de je laisse je pense que je vais aller moi je dis pas grand-chose et je suis surtout ce que va dire Teddy. Eh bien, on va aller vers le centre des visiteurs, puisque c'est là où on trouvera sans doute de l'aide. Et si on trouve quelque chose sur la route, eh bien, écoutez, adieu que pourra. C'est de votre ressort, de toute façon. Mais les portes, elles sont fermées. Comment ça a fait pour rentrer là, ça? C'est la question que je me posais aussi. Vous avancez vers une porte, et en fait, vous remarquez que les portes, c'est pas des... Il y a des poignées manuelles, mais il y a des verrous électroniques. Et en fait, depuis que la coupure de courant s'est faite, bah, toutes les portes se sont ouvertes. C'est un constat qu'on fait tous. Oui, clairement, ça se voit en fait. Je regarde Burns et je fais. C'est peut-être pas que les techniciens le problème. Vous savez, nous on en fournit juste, hein, Oui, si c'est mal fait. et du coup, je l'interromps, je fais oui, je l'interromps et je vais vers le. Vers, je vais tout droit. Je le suis, je me tais instantanément quand il dit oui, et je le suis juste. Vous passez la porte que vous essayez de fermer, mais en fait elle ferme quasiment pas. Vous fermez juste la poignée manuelle. Et la porte, elle n'est pas hermétique en termes de son. Et en fait, il y a un petit hublot sur la porte pour voir à travers qui ferme la marche. Je pense que c'est moi parce que pour me rassurer, en fait, le temps qu'on marche et tout, je fouille un peu dans ma trousse dans ma trousse de secours et de médecin pour voir un peu, je fais un peu l'inventaire de tout ce que j'ai pour prévoir au cas où, tu vois. Donc Jacques, au moment où tu regardes ta trousse de soins, le groupe avance un peu, mais te laisse pas derrière quand même. T'es juste devant la porte, tu regardes ta trousse, etc. Et tu fais, ah, j'ai dû faire tomber quelque chose tout à l'heure. Tu te retournes et en fait tu vois à travers le hublot, tu vois ce qui a attaqué Kevin. Tu vois clairement que c'est un vélociraptor qui a les griffes pleines de sang. Et au moment où tu le vois, tu te tétanises. Il te voit, il te regarde.
et il avance tout doucement, comme un félin qui chasse, un peu baissé, et il avance tout doucement vers toi, et tu n'arrives pas à parler. Je recule tout doucement, moi. Vous remarquez tous que Jacques est en train de, tout doucement, mais très calmement, marcher à reculons. J'allume ma lampe et j'éclaire dans la direction au moment du tunnel. T'éclaires la direction, tu éclaires la porte, tu regardes Jacques et tu lui mets... Ah, ça peur, me fait peur, ça me surprend. T'as peur de quoi? C'est, la porte, elle est fermée. Quand je vois la lumière dans mon dos, ça me surprend, je me retourne par réflexe. Ça va, Jacques? Non, il y a un... Je me retourne vers le hublot. Tu ne vois plus ce qu'il y avait derrière le hublot, mais vous entendez toujours le cliquetis de quelque chose qui tape contre le béton comme... Qu'est-ce qui se passe, Jacques? Comme quand on tape avec une canne, vous savez. Il y avait un foutu raptor dans la salle, là. Un raptor? C'est une sale bête. Vraiment une sale bête. Bon. C'est ce qu'a tué Kevin? C'est quoi un raptor? Ça ressemble à quoi? C'est une bête. D'accord. Ce que je vais faire, ça c'est rentre que... Dans les... ouais, ça rentre dans les tunnels, forcément. Oui, c'est assez petit. Bon. Et rapide aussi, du coup. C'était pas agréable à voir, on va dire. On peut aller dans la direction opposée, parce que je pense que maintenant, il sait où est-ce qu'on est. On peut y aller. Alors, je pointe juste l'arme de Teddy à sa ceinture. Je dis, est-ce que ce serait pas utile que... Alors, que quelqu'un prenne... C'est ce que j'allais dire. Une arme. Est-ce que quelqu'un ici a fait le Vietnam? Je crois pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma matraque à la ceinture. Je vais prendre le 9mm. De toute façon, on voit très bien ce qui est devant nous et on a de la vision pour ce qui est derrière. Donc, je vais juste le prendre et je vais me mettre en deuxième position dans la file, histoire de pouvoir dégainer très bien. Et puis, vous vous mettez à terre et puis je verrai si jamais quelqu'un vient dans notre dos. Et puis, même si quelqu'un vient dans le devant. De toute façon, vous savez quelle est la direction, c'est tout droit. Donc si vous vous perdez, franchement, je pense qu'il y a un problème. C'est vrai, il a raison. Merci John de vous proposer de passer devant. Honnêtement, t'as dit... Quoi ? Merci. Ah merci John, c'est sympa. Allez, hop. Vous établissez cette espèce de plan, d'accord, qui visiblement ne va pas à tout le monde, mais bon, c'est sur le moment. Et vous entendez, dans la direction où vous allez, en face de vous, vous entendez ce cliquetis, pareil. Et derrière vous, vous entendez la poignée qui se baisse. Vous entendez le... Et vous voyez la porte qui s'entrouvre avec un museau qui passe, puis une tête, et ça a pas une gueule de porte-bonheur. Oh putain, celui. Est-ce que j'ai un viseux pour se cacher? Vous regardez tous partout. Il y a des caisses ouvrables qui sont déjà ouvertes et juste à mettre le couvercle par-dessus. Ou alors... Vous avez une grille où vous avez les câbles électriques où vous pouvez vous mettre dessus. C'est des passerelles de maintenance. Mais il faut faire ça maintenant. Moi, je vais faire ça à la grille. Hein. Je vais précipiter vers une grille. Je vais aller vers la grille puisque John s'y dirige, mais pour les autres, je pense qu'ils peuvent aller... Moi, je vais dans une caisse. J'ai pas la capacité de sauter ou de me mettre un truc. Je réfléchis pas trop. La caisse, elle est devant moi. Je rentre dedans et voilà. C'est une autre caisse, je prends, sinon la grille. Il y en a une deuxième. En fait, c'est pas une deuxième, c'est juste elle est grosse, mais il y a deux compartiments, donc vous êtes côte à côte. En fait. Dans tous les cas, on est dans la même. On peut nous écolocaliser. Oui. Vous êtes dans la même caisse, sauf qu'il y a une petite paroi très fine entre vous, mais c'est la même caisse globalement. Okay. Une fois sur la grille, j'équipe mes gants en caoutchouc et je prends ma clé molette. Moi, pendant ce temps, je vais en fait, on voit son museau. Du coup, bah, je vais prendre l'initiative et je vais tirer sur le. De toute façon, il nous a repéré, il sait qu'on est là. C'est trop tard. Mais j'ai quand même le bâton électrique et je me prépare à si jamais il y a quelque chose. Mais je vais essayer de tirer sur ce que je vois. D'accord. Donc tu ne vois pas très bien, t'es dit pour le coup. Tu vas me faire un jet pour tirer, s'il te plaît. 66. Tu vises et au moment où tu tires, il y a le l'électricité qui revient. Du coup, tu es flashé littéralement par l'éclairage et tu tires à côté. Mais à quelques centimètres à côté, tu te précipites sur la grille, il ne t'a pas vu, mais par contre, il sort donc de la porte extrêmement furieux. Tu vois qu'il commence à courir un peu partout, qu'il regarde là où à peu près le son venait. Et en fait, vous remarquez qu'il y en a deux. Il y en avait un derrière et un devant. Et si vous n'étiez pas monté, vous auriez été pris en tenaille. Enfin, eux, ils sont montés, mais non. Oui. Donc, c'est Jack et Burns, vous ne le voyez pas, vu que vous êtes dans une caisse qui est fermée, d'accord. Par contre, vous avez juste un tout petit trou
pour respirer. Et vous entendez les cliquetis de leurs griffes sur le béton. Et vous savez qu'ils sont à 2 cm. Il faut pas faire de bruit. Mais je suis tétanisé. Je bouge plus. Enfin, est-ce que j'ai le trou dans au niveau de l'œil ou pas? Tu peux regarder dedans. Bah, pour l'instant, je bouge pas. J'attends juste un petit moment, histoire d'être sûr que s'il y a plus trop de bruit, je peux regarder. Moi, au coup, pour me défendre, je sais pas si j'ai n'importe quoi, ne serait-ce qu'un truc pour opérer en urgence, je sais pas, un petit couteau. Oui, tu as des ciseaux pour couper les bandages. Parfait. Bah, je prends ça et je le tiens comme ça devant moi en tremblant un peu. Et moi, j'ai rien sur moi? Au cas où. Non. Teddy et John, vous êtes sur la grille. Vous faites le moins de bruit possible. Vous essayez de calmer votre respiration parce qu'ils sont littéralement à 1m50 en dessous de vous. Vous semblez voir qu'ils ne regardent pas vers le haut, qu'ils regardent surtout vers le bas, qu'ils sentent et qu'ils regardent à droite et à gauche. Donc vous avez de la chance, pour l'instant, ils vous ont pas vu. Vous voyez qu'ils parlent entre eux, c'est-à-dire qu'ils font des petits cris, comme s'ils communiquaient entre eux et comme s'ils se coordonnaient. Et vous voyez qu'il y en a un qui part à droite et un qui part à gauche, dans l'intersection. Et vous les entendez plus, vous entendez juste leur bruit de course qui s'éloigne avec l'écho. Et vous ne savez pas où ils sont. Vous savez juste par où ils sont partis. Qu'est-ce que vous faites? Je pense que legit, mon personnage s'est pissé dessus. De stress. Et là, je suis tétanisé dans la cage, j'arrive toujours pas à sortir. Moi, je pense que je suis sous le choc de d'abord le flash et d'avoir loupé mon tir, et de la peur, et du coup, je dois avoir le flingue. Cramponné sur ma main, mais le doigt, comme je suis formé quand même au tir, j'ai le doigt sur le long de la gâchette et pas sur la gâchette. Et je dois être, je dois tenir mon flingue de toutes mes forces. Moi, je regarde par où ils sont partis et j'essaie de regarder s'il y a d'autres sorties, d'autres endroits où on peut partir, n'importe quelle fuite possible en fait. Vous avez droite, gauche et tout droit. Comme d'habitude, c'est comme okay. Je vous ai dit, c'est un gigantesque quadrillage en fait, mais sauf que chaque intersection est à 500 mètres les unes des autres. Je vais mettre ma main sur l'épaule à Teddy, le secouer un peu et dire faut qu'on bouge maintenant. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Du coup, je pense qu'on va descendre doucement. On va réveiller les deux qui sont dans la caisse et puis on va avancer très très doucement. Teddy, donc du coup, tu descends? Je descends. Quand je suis en bas, je prends mon bâton électrique parce qu'il y a de très fortes chances qu'il nous charge en fait, surtout. John, toi, tu as voulu faire la vérification, donc tu as avancé tout doucement sur la plateforme jusqu'à l'embranchement. Et en fait, tu remarques quelque chose, c'est qu'il y en a un donc, qui a laissé des traces de sang, évidemment. Et tu, en tournant la tête vers la droite, tu remarques qu'il y a une toute petite pointe qui bouge derrière une caisse un peu plus loin. Et tu remarques que Ça essaie d'être statique, entre parenthèses. Et au moment où tu bouges, tu as tes outils qui font cling, 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 cling sur le grillage, en fait. Et tu remarques que cette queue, elle s'arrête de bouger, cette pointe. Quelque chose se retourne. Et en fait, il est juste à 50 mètres derrière une caisse. En fait, il était en train de sentir quelque chose et tu l'as attiré directement à cause du bruit de ta ceinture. L'autre, tu le vois pas du tout. Par contre, il y en a un à 50 mètres. Qu'est-ce que tu fais? Sachant que Teddy est en train de descendre et que les deux autres sont toujours dans la caisse. Je dois avoir des pièces métalliques de rechange, des trucs comme ça, ma ceinture aussi. Qu'est-ce que j'ai à ma ceinture? T'as des outils, clé à molette, tournevis. Je vais choper un tournevis et je vais essayer de le jeter le plus loin que je peux dans la direction du couloir pour essayer de le faire passer derrière le truc. D'accord. Tu vas me faire un G, s'il te plaît. 38. Tu prends ton tournevis. Tu vises correctement de là où il est et tu le jettes de toutes tes forces sans toucher les plaques métalliques. Et il ricoche un peu partout et il finit derrière lui, il atterrit derrière. D'accord ? Tu sais pas comment t'as réussi ça parce que 50 mètres c'est quand même loin. Et tu vois qu'il se retourne et qu'il commence à courir dans la direction opposée, donc là où t'as jeté ton tournevis, qu'il prend un embranchement et il disparaît. Ok. Teddy, pendant que t'étais en train de descendre, tu l'as vu John, jeter quelque chose, tu sais pas quoi, et faire du bruit. Et en fait, pour toi, il a fait une connerie, en fait, concrètement. J'ai envie de l'engueuler très fort, mais je vais rester calme et je vais juste le regarder et faire des grands gestes avec les yeux très écarquillés en disant mais qu'est-ce que tu fais
alors que maintenant je suis sans doute en bas, parce que je suis descendu. Oui. Tu ouvres la caisse de Jack et Burns. Alors, moi j'ai le nez qui coule, je suis en larmes et je transpire, un truc de fou. Tu ouvres la caisse et tu sens une odeur de d'urine, vu que Jack c'est relâché, on va dire. Je comprends même pas encore que t'as ouvert la caisse. Moi, je suis en mode « qu'est-ce qui se passe ?» Tu leur fais le geste de sortir de la caisse tout doucement. Et pour l'instant, c'est du RAS. Vous pouvez sortir et vous ne voyez plus aucune trace de ces vélociraptors. Tu me vois avec mes espèces de petits ciseaux, on dirait limite des coupons. Je... C'est un peu ça. Ils sont. Alors, je suis en panique totale. Hein. Je suis en train de dire, moi, je n'avance plus si on ne me donne pas quelque chose pour me défendre. J'attrape un outil à ma ceinture et je lui tends. Tu lui donnes quoi ? Je le prends. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai de plus gros qui servirait lui à se défendre ? T'as une clé à moulette et un petit marteau. Je la garde, la clé à moulette. Moi, je lui donne le marteau. Ah, merci. Je prends le marteau. Il n'y a pas de corps. John, je suppose que tu es le plus physique de nous quatre, à part moi. Ouais, ce serait... En termes de morphologie, oui. Ça serait logique que tu fermes la marche au cas où il y a quelqu'un qui nous attaque par derrière. Et pendant ce temps, moi, je vais tenir mon bâton électrique devant, comme une espèce de lance que je vais tendre façon Saris, un peu comme les Grecs. Ça sert à rien, ils savent où est-ce qu'on est, ça chasse dans l'ombre. Ça sait où est-ce qu'on est, j'en suis sûr. Vous voyez que Jack joue avec commence à être un peu parano et commence un peu à diminuer encore plus le moral de tout le monde, parce qu'il arrête pas de dire « ils savent où nous sommes, ils vont nous trouver, on n'a aucune chance, etc. » Donc ça vous mine encore plus le moral. Je lui mets une petite claque. Je lui mets une petite claque et je lui dis « plus tu parles, plus ils vont savoir où on est. » Ça, c'est une certitude. C'est trop tard. Vous avez quand même si tu rationalises, vous avez vu quel type de créature c'était. Et concrètement, avec vos outils, à part Teddy, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir arrêter ça d'un coup net. Donc, vous savez qu'il vaut mieux pas les croiser. Sachez en tout cas qu'ils ont l'air de vachement réagir au bruit. Pas comme si je vous l'avais déjà dit. Bah, faut qu'on avance vite, là. Faut sortir de ces tunnels. Juste faut qu'on sorte de la zone. Ouais, oui, je suis d'accord. Tout à fait. Du coup, moi, j'avance assez prudemment quand même, en faisant très attention à tous les bruits qui m'entourent. Et je prends, si c'est possible, parfois, de prendre quelques petits... des outils, des objets qui traînent à côté, histoire de pouvoir faire des appâts. Alors, il y a un extincteur juste sur le mur, mais c'est tout. Ce que je vais faire, ça peut paraître bizarre, mais je vais prendre l'extincteur et je vais le donner à celui qui est le moins chargé, qui serait soit Jacques, soit... C'est Burnt. C'est Burnt. Moi, j'ai déjà je suis pas chargé, j'ai juste le mettre, mais c'est juste que lui, il a littéralement... Ouais. Ok. Et ben, je le prends. Je dis, gardez-le. Ça pourrait servir. Je le prends et je le tiens. Pas pour me défendre, mais pour comme si je voulais cracher la neige au cas où. D'accord. Vous avancez dans ce tunnel. Vous passez plusieurs portes, sans encombre pour l'instant. Vous n'entendez pas de bruit suspect, pas de cliquetis, pas de cris, rien du tout. Et vous arrivez à une porte où il est écrit « Montez ». À droite, centre des visiteurs. À gauche, bunker de sécurité. Oh putain, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Je commence à avancer tout le mode de moi-même. Tu sais, je me sépare un peu du groupe, je vais vite le centre. Ouais, faut le retenir juste avant. Enfin, moi, je le retiens juste avant. Et attendez, faut voir avec Teddy là. Mais est-ce que le bunker, c'est pas une bonne idée aussi? Le problème, c'est que le centre des visiteurs, il est pas forcément fait pour être défendable, en fait. Il est fait pour être un lieu d'accueil assez convivial, quoi. Donc le centre de sécurité, ça serait peut-être une meilleure solution, étant donné que après on risque d'avoir... En fait, le centre de sécurité est plus grand que le bunker, donc il peut y avoir beaucoup plus de chasse, et on n'est pas assuré, puisqu'on n'a pas de communication, qu'au centre des visiteurs, il y ait vraiment mes collègues. Oui, clairement, vu la situation, ça va déjà être la panique là-bas en plus. Donc je pense qu'il serait plus judicieux d'aller au bunker de sécurité, qui de mémoire a une porte sécurisée. Sécurisée.
Et puis là, on avisera et puis on pourra peut-être trouver de quoi se défendre qui soit mieux que quelques clés à molette et un extincteur. Mais si le dernier moyen de transport pour partir, il est au niveau du centre des visiteurs, comment on fait ? On peut pas rester bloqué indéfiniment dans le bunker aussi. Il y a bien du secours qui va arriver un jour. Teddy, tu as l'information que dans le bunker de sécurité, il y a toujours des doubles de clés des véhicules restants. Toujours. Très bien. Bah, je communique l'information alors. Si on a un moyen de sortir de l'île, ça sera sans doute au bunker de sécurité. Bah, on va faire ça. On va faire. On peut y aller, mais c'est une bonne chose d'avoir les clés. Encore faut-il que le véhicule soit là. Il va pas disparaître tout seul. Non, c'est des doubles des clés. Bon, allons-y. Nous vous commencez à monter l'escalier, un tout petit escalier en béton qui se sépare en T. Et vous entendez le cliquetis derrière vous. Vous en entendez un, vous en entendez deux. Et en fait, quand vous vous retournez, il y a les deux raptors qui en fait sont en position félin de chasse. Vous foncez à travers la porte. Le verrou électronique peut fonctionner vu que le courant est revenu. Et vous me faites tous un G, s'il vous plaît. Je fais 21. Tu fais 39. 60. 26. Vous rentrez tous, sauf John, qui au moment de passer, tu sens quelque chose qui te mord au niveau du mollet, qui essaie de te tirer. Mais il n'a pas eu une bonne prise parce que la porte était en train de se fermer. Donc en fait, il t'a juste mordu au mollet. Il t'a lâché. Tu fermes la porte le plus vite possible. Le verrou automatique se met. Et tu vois les deux raptors derrière qui tapent avec leur tête sur la porte. Mais tu vois qu'ils n'ont pas la force pour la casser. Par contre, il t'a bien planté et tu sens que tu saignes abondamment au niveau du mollet. De toute façon, dès que j'ai fermé la porte, je crie de douleur et je me laisse tomber au sol. De toute façon, là, moi, quand je vois ça, j'ai mon instinct de médecin qui se réveille et qui combat un peu ma peur. Je fais « Oh putain, il a besoin de mon aide ». Je fonce vers lui et j'ouvre ma trousse à outils à côté de lui. Ma trousse de secours. Je fais « Attendez, je vais vous aider, vous inquiétez pas ». Tu arrives plus ou moins à arrêter le saignement. Tu vois que toutes les dents, elles se sont bien plantées et que, bon, heureusement, ça n'a pas touché de vaisseau trop important. C'est juste que vu qu'il a tiré en même temps, ça lui a un peu cisaillé le muscle. Et du coup, c'est pour ça que ça saigne beaucoup, mais tu as réussi à arrêter ça. Par contre, dans ta trousse, tu n'as quasiment plus rien, si ce n'est une boîte d'antidouleur. Bon, John, je vais pas te mentir, c'est pas beau à voir, mais c'est juste pas beau à voir. Tu vas t'en tirer, il n'y a aucun problème, ça n'a pas touché de choses précieuses. Par contre, je commence à être à court. Ça m'a coûté beaucoup en bandage et en antidouleur. Ah, il m'a donné des antidouleurs aussi. Il te donne une boîte d'antidouleur que tu peux utiliser ou pas. Mais en tout cas, mais là, je suis en larmes au sol, je prends les antidouleurs. Ah non, mais il n'a pas le choix. Il faut que tu les prennes, sinon tu n'arriveras même pas à marcher. Là. Dans ta trousse de secours, tu n'as plus de gaz. Tu n'as plus de compresse, tu n'as plus de bandage. J'ai plus rien stérilisé là. T'as vraiment plus rien quoi. T'as une seringue à la limite, mais sans plus. Donc, on est dans des tunnels d'urgence. Là, il n'y a pas des trousses de secours ou quoi, tous les X mètres Là, pour l'instant, vous en avez pas parce que c'est des tunnels de maintenance. Là, vous allez arriver peut-être que dans le centre des visites, oui, il y aura forcément donc des trousses de soins, etc. Et dans le bunker, il y en aura forcément aussi. Bah, j'espère que je pourrai faire le plein comme ça. Donc vous vous dirigez unanimement vers le bunker. J'aide John à marcher parce que là il va galérer. Ouais, je boite fort. Tu vois que tu laisses quelques gouttelettes de sang, ce qui est normal derrière toi, mais au bout d'un moment le saignement s'arrête et tu arrives à marcher, mais courir c'est pas possible. Ok. Vous arrivez donc dans le bunker sans trop de problèmes. Vous fermez la porte qui est sécurisée et vous vous posez. C'est le premier moment où vous êtes vraiment en sécurité, vous le savez. Il n'y a pas de vitre, il n'y a pas d'endroit où un dinosaure pourrait rentrer. Vous vous posez, vous avez des canapés, etc. Vous pouvez vous poser. Et vous vous reposez à peu près une vingtaine de minutes avant de chercher concrètement ce qu'il faut chercher. Je continue d'examiner John en attendant. Et moi, même si je m'assois, j'ai mon regard qui fouille partout pour essayer à tout prix de trouver une arme et tout. Parce que du coup, avec la douleur, avec la surprise, j'ai laissé tomber ma clé à molette dans le couloir là-bas. Teddy, tu regardes là où il y a habituellement les armes donc de sécurité, donc soit les pistolets, soit les fusils à pompe. Et tu vois que l'armoire, elle a été verrouillée.
et tu n'as pas les accès pour avoir les armes lourdes, entre parenthèses. Par contre, tu peux ouvrir l'armoire où il y a les pistolets de détresse et les talkie-walkie. Bon, c'est toujours quelque chose. Je prends un talkie-walkie et je vais essayer quelques fréquences. Tu regardes qu'il y en a, normalement, il y a une dizaine de paires. Il n'en reste que deux. Bon, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes. J'essaie des fréquences et je fais Mayday, Mayday. Nous sommes actuellement coincés sur l'île avec plusieurs visiteurs qui ne sont pas habilités et plusieurs brèches de confinement. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu attends quelques minutes et tu reçois un signal. Il fait « Oui, qui est au Toki ?» Agent de sécurité Théodore Macmillan, les quais. Vous travaillez pour InGen ? Tout à fait. Très bien. Écoutez, vous pouvez nous retrouver au laboratoire. Identifiez-vous. Alors tu vois qu'il met un peu de temps quand même avant de répondre. Et tu as un grésillement qui fait « Passe-moi Stocky ». Oui, ici Howard Benberg. Ici le chef de l'escouade InGen de sécurité. Je connais. Bon. Nous sommes établis au laboratoire, nous sommes en train de sécuriser les échantillons. Vous pouvez nous rejoindre ? C'est faisable, oui. Très bien. Vous êtes armé ? Oui. D'accord. Combien de civils ? Trois. Trois civils ? Très bien. Aucun habilité. Vous avez une vingtaine de minutes pour nous rejoindre. Vous êtes... Si jamais je l'entends comme ça, je précise au loin, je fais « Et un blessé ?» Il y a un blessé, est-ce que vous avez un médecin ? On a un médecin, oui. Oui. Très bien. Je vous rejoins dans 20 minutes. Terminé. Très bien. Terminé. Donc vous avez une lueur d'espoir dans ce que vous venez d'entendre. Le laboratoire est à peu près à 10 minutes de marche, mais il va falloir passer par le centre des visiteurs, passer par l'attraction du laboratoire et passer par la porte de sécurité. Ah, j'aurais dû lui demander s'il a connaissance d'activités hostiles entre nous et lui. Ouais. Moi, de mon côté, dès que j'ai entendu la fin de communication, de toute façon, je me suis relevé et j'ai commencé à me diriger vers la porte pour qu'on parte au plus vite. Et moi, je pense que je vais demander à Teddy comment ça fonctionne les pistolets de détresse, si on y en a plusieurs, et si on peut en avoir. Il y en a deux de pistolets de détresse, donc Teddy, tu peux les donner à qui tu veux. Je vais en donner un à Peter et probablement un. À Jacques, puisqu'il n'est pas... Il n'est pas John qu'il est... moi, je vais essayer de chercher déjà s'il n'y a pas du soin supplémentaire. De toute façon, Jacques, je reste avec toi. Tu m'aides à marcher, donc... On a combien de fusils ? Deux. Ah, une par pistolet, donc deux. Alors, je leur montre exactement la sécurité et quelle tenue, comment le tenir et comment le tirer pour éviter qu'ils s'en tirent une dans le pied. Tu fais ça en 3 minutes, top chrono, parce que vous n'avez pas le temps. Mais globalement, c'est un pistolet, voilà, vous armez le chien, vous tirez en l'air, ça tire une fusée qui reste voilà, en l'air et qui après retombe. Donc c'est des fusées rouges de détresse classiques. Vous pouvez les garder, mais il faut faire attention parce que si ça touche vos vêtements, vous pouvez prendre feu. Okay. Donc il vous explique la sécurité en 3 minutes. Vous réouvrez la porte du bunker, vous remontez au centre des visiteurs. Non, attends, avant ça, parce que je voulais poser une question à Teddy. Teddy, vous n'avez pas aussi des... parce que là, on a la version pistolet, mais vous n'avez pas des fusées de détresse normales, vous savez, qu'on active ? Des flares. Ça peut peut-être leur faire peur. Oui, voilà, des flares. Hein. Donc, Teddy, tu regardes dans les armoires et tu vois qu'il y a une boîte, mais elle est vide. Il n'y a pas de fusée de détresse à proprement parler. Alors, je rouspète un peu de laisser des boîtes vides dans des armoires de sécurité. Et je regarde Jacques et je lui dis, il va falloir faire ça. Merci. Est-ce que moi, n'empêche, j'ai réussi à trouver des soins supplémentaires pour remplir ma trousse ? Tu as trouvé une trousse de secours, mais qui a aussi été ouverte. Et tu vois que les bandages ont été entamés, elle était ouverte sur la table. Tu récupères ce qu'il y a dedans, donc c'est une demi-portion de bandage et deux compresses. Bon, ça devrait suffire pour le moment. C'est pas pour des blessures majeures, mais tu pourras soigner des coupures ou quelque chose comme ça, mais si c'est majeur, tu pourras pas soigner. Bon, allons-y, je suppose. T'as dit que vous passez devant ? Tout à fait, je suis toujours dans la même position, c'est-à-dire que j'ai le bâton comme une lance. Et je ferme la marche, mais en reculant derrière eux, vu que sûrement John doit aider. Je m'appuie sur Jacques. Jacques doit aider John. Allons-y. Vous avancez donc vers le centre donc, des visiteurs. Vous commencez à monter l'escalier et vous vous retrouvez donc, dans le hall principal où il y a le squelette du tyrannosaure.
qui vous rappelle le début de votre journée, on va dire. Pas très heureuse. Vous commencez à marcher vers le laboratoire et vous entendez des tout petits couinements. Mais c'est même mignon comme bruit, pour le coup. Et vous voyez une espèce de... Comment vous expliquer ? Une espèce de petit animal à deux pattes, avec qui ressemble en fait à un raptor, tout simplement, mais en tout petit, en tout maigre et vert. Et qui fait des tout petits couinements. Oh mon Dieu, ces choses. Oula, mais c'est les bébés du truc, ça ? Sans doute, je serais d'avis qu'on ne s'en approche pas. Vous voyez parce que si petit est là, maman est pas loin. Vous voyez qu'il s'approche de vous, mais qu'il est pas agressif du tout, juste il vous sent. Et il fait des petits sauts un peu, on dirait un lapin, parce qu'il fait des petits sauts sur ses pattes. Et ça a pas l'air du tout agressif. Alors faites attention, c'est très dangereux. Je connais, c'est pas du tout un bébé raptor, c'est... Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais je sais que c'est dangereux, ça peut cracher de l'acide, je crois. S'il passe à portée de moi, de ma jambe valide, je vais lui décrocher le plus gros coup de pied que j'ai jamais décroché. Non, non, juste il sent, et vous entendez un couinement, et après, vous voyez qu'il vous regarde. Je peux... Fais gaffe, il va te mordre. Je peux l'attraper. Tu peux essayer de l'attraper. Ok, bon, je l'attrape. Ça a des dents. Je l'attrape. Vous voyez qu'il l'attrape, la créature se débat, d'accord. Et tu vois que c'est vraiment pas très mobile en fait, et ça a des toutes petites dents. Même si ça te mord en fait, ça se fait pas si mal que ça. Ça pince, mais ça a des dents quand même, donc faut faire attention. Donc il t'entaille un tout petit peu, voilà, comme un bébé chien globalement. Et il couine, il commence à couiner de plus en plus fort, et il y en a un, puis il y en a deux, puis il y en a 10. Lâchez-le, on se barre. Puis il y en a 20, et puis il y en a 30. Qui sont en face de vous, qui vous regardent et qui commencent à avancer tout doucement, comme une espèce de vague en fait. Ok, je le jette dans le tas, je pense. Je le jette dedans je sors mon extincteur. Oui, exactement. Voilà. Vous avez donc ces espèces de petites créatures, tu les jettes au milieu et au moment où tu jettes, tu vois toutes les petites créatures qui vous foncent dessus et qui vous courent après. Vous voyez que ça va assez vite, mais c'est extrêmement fragile, ça met un coup de pied, vous le cassez en deux.